Et salut tout le monde, c'est MacLeon85. On se retrouve aujourd'hui dans la forêt de Vestigeon pour la suite des aventures de notre dresseur sur Pokémon Platine, donc dans la région Sinnoh. Donc voilà, j'ai fait quelques petites recherches pour l'évolution de Rosebouton. Il évolue avec un certain niveau de bonheur. Et je sais pas si vous vous souvenez à la fin de l'épisode précédent, mais Sarah nous a donné un Grelozen. Et le Grelozen, à quoi sert? À augmenter le bonheur. Donc je lui ai donné, comme vous pouvez le voir ici, pardon pour la souris. Voilà. Alors, récapitulatif du dernier épisode. Et ton vol a bien monté. T'es niveau 18, il monte niveau 21. Boscara, je vais le monter un peu. Mais ça sera pas ici. Et puis voilà. Luxio, ben voilà, évolution de Luxio. Mais c'était avant. Alors, on retourne. La petite sauvegarde que j'ai pas faite. 14h, ok. Page 1, ok, c'est parfait. Et ben on va sortir. On va sortir. À moins que je prends l'appareil pour coupe. Ouais, je prends l'appareil pour coupe. Suffit de demander, sauf que je préfère une femelle. Parce que j'ai peut-être le garder. Il va me servir pour XP, mais je vais le garder après. Je crois que j'ai deux ou plus, voilà. Oh non! La blague. Et Tourvol, t'inquiète pas, je te boxerai plus tard. Luxio, à toi de jouer. Non, c'est toi qui es un petit peu en retard par rapport aux autres. Luxio, c'est le plus dur à XP quand même. Enfin, quand il a un XI. Après, c'est plus simple, mais bon. Fait qu'il a pris une morsure. Charles, ça sera pas suffisant. Ces Pokémon là, faut vite les tuer, hein, sinon c'est impossible. Allez, mon petit Luxio, mon petit Luxio. Po, ce n'est pas très efficace, mais bien sûr. Oh yes, j'ai géré la fougère. Ça gère la fougère. Pas de poison. Un petit peu d'XP, voilà. L'appareil, on prend un petit appareil. Et l'appareil, je le prendrai en off, hein, parce que je serai pas rendu. L'appareil, je sais pas si je le garderai, parce qu'après j'aurai plein d'autres Pokémon qu'il faut que j'essaye d'avoir. Non, je pense pas que je le prendrai. Enfin, je vais en prendre un, mais c'est juste pour coupe, quoi, parce que je sais pas à quel Pokémon le mettre. J'ai pas envie de le donner, parce que c'est une attaque tellement peu puissante que ça sert à rien. Ah ben parfait, des pêcheurs. Allez, combattez-moi. C'est un lit d'adulte. Et pour le Pokémon qui utilisera Surf, ça sera Lumineon en fait. Enfin, Écaillon, que je ferai évoluer en Lumineon.
mais il a lâché. Pas fait gaffe à son niveau. Mais je sais que ça donne beaucoup, c'est parfait. Up 17, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Oh mon dieu, vous avez vu ce que ça donne un point sirène? Oscar, là faut que je XP un peu là. C'est quand même mon premier Pokémon, donc tu devrais être celui qui va être le plus HL. Oh non. Vous allez voir tout ce qu'il donne. C'est bien, mec. Il a intérêt à me sortir sur le moment bon. Bah, je peux faire. Magikarp qui sert à rien, ça. C'est Pokémon là, mais... Il faut l'attraper à HL alors. Proche du niveau 30 pour qu'il évolue en déviateur. Parce que son évolution par contre, elle, est extrêmement puissante. C'est là le gros paradoxe du truc, quoi. Mais rien ne se passe. Son plus haché, je crois qu'il a Fléau justement. Il a une attaque Fléau. C'est là en fait qu'il faut prendre à partir. C'est dans ce level là qu'il faut y prendre à peu près. Ouais, il est limite dans l'ordre de ce level. Parfait, 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 parfait. Ton gerbe. Continue le combat. C'est ça, monte les niveaux. Trompette. Genre. Je moque, mais il a réussi à esquiver en attaque. Hein. Ouais. C'était de la chance, c'est tout. J'espère. Niveau 16. Oui. Tu me sauves la mise, toi. Allez, quand même. Faudrait que je revienne le voir plus tard. Normalement, il aura que des déviateurs. Ça va être bonheur. Moi qui refuse de les faire évoluer. Par contre, là, j'en voudrais toute ma vie. Parce que s'il les fait évoluer, mais un déviateur, ça donne 1000 points d'expérience quand il évolue hein, au niveau 30. Ça donne tellement. C'est tellement débile. Oh oui. Oh oui, toi tu me sauves la vie. Toi tu me sauves. Toi. Tu me redonnes confiance quand je te vois. Ouais, c'est ça, tu vois, moi tu me fous ton ultra champion. C'est une blague, sérieux, c'est une blague. Oh, moi j'arrive à... Et voilà, voilà. Pardon, excusez-moi, là, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça sert à rien pour un Pokémon de type O, tous les games, mince. Ce serait pas un Pokémon de type feu qui va t'attaquer, je pense pas.
J'avais souvenir que c'était plus puissant que ça. Oh non, 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 mais c'est une blague, hein. Ça, c'est meilleur, ça. Oh, oh non, mais faut pas exagérer, quand même. Je préfère, mais... Le truc, il m'a littéralement défoncé. On finit bien. Que je souffre. Hop là, allez, c'est fini. Ouh, comment ça me saoule, c'est Magikarp. Défense spéciale. Objet de combat, c'est parfait. En haut, je m'en souvenais qu'il y avait ça. Je crois qu'il y en a un peu plus. Je me tais. Je me tais. Chat, c'est contre empoisonnement. Enfin, cerise, c'est électrique. On prépare, allez-y. J'irai XP mes Pokémon plus tard. Ouais, je le ferai en off. Enfin, ça dépend après. Oh, pardon, bienvenue à Vestigeon. Décision. Des sages de partout, musique calme. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, en fait ça passe tranquillou. Voilà, super popo. Non, je paye pas maintenant. Normalement, si je descends, elle va me bloquer. Même pas. C'est Dampierre qui me bloque. Hop, 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 hop. Lui, il me donne l'objet. Un objet. McLean, ça faisait longtemps. Oui, quelque chose de si fun, tu te demandes qui je suis. Je suis assistant du professeur Sorbier, tu connais Horace, ceci son père. J'ai parcouru un long chemin pour t'aider dans ton aventure sur Arne du professeur. McLean, laisse-moi te poser une question. Combien as-tu vu de Pokémon? Non, d'une pipe, tu as rencontré 40 Pokémon. Merveilleux, je te tire mon chapeau, le professeur Sorbier sera ravi. Voilà ta récompense. Multi-expérience. Et voilà l'objet que je cherchais depuis tant de temps. Ocarina Pokémon. Je vais XP un petit peu Boscar. Non, Boscar, de toute façon, il va pas me servir. Je fonce tout de suite à l'arène. De toute façon, je peux faire que ça. Hein. Vous allez voir. Et Malfian, tu es là pour voir la Sophie Pokémon. Pareil, je vais te montrer. Qu'est-ce que... Ah, Elio. Voici donc la fameuse statue de Vestigeon. Alors, si vous regardez bien, ce Pokémon légendaire a 4 pattes. Le temps et l'espace intimement liés façonnent notre monde. Donc, le haut... Donc, la partie haute, c'est la partie de Palkia. Et le bas, c'est Jelga. Donc, Pokémon version diamant et Pokémon version perle. Normalement, selon votre version, si vous avez les versions d'avant, c'est vous avez que Jelga et que Palkia. Je crois. Au fait, quand on s'entraîne dedans, j'ai une idée de génie, un moyen facile de devenir un renaisseur. Et oui, je t'explique. Écoute bien, assure-toi que toutes tes attaques atteignent leur cible. Évite les attaques adverses, fais ça et tu gagneras tous les coups. Tu seras un brosseur. Ah si, voilà, donc là, lui en fait il augmente ses stats et fait baisser les stats des autres. Enfin bref, avant que j'étais un coup d'œil à la statue. Une
tactique descriptive, mais elle a été arrachée. Voilà, donc ensuite, il n'y a rien d'autre de spécial. Ici, je n'y vais pas très souvent. Enfin, bon, voilà, je vais pas y aller. Pas d'utilité. Bon, allez, j'irai tout seul en off pour XP mon boss cara, parce que là-bas, il y a... Ah, parfait. Une statue. Cynthia. Oh, c'est pareil, c'est un Pokédex. Oh, ça ravive des souvenirs. Comment il s'appelle? Très bien, enchanté avec toi, je n'aurai pas ton nom. Moi c'est Cynthia, je suis très sœur comme toi. Ça coûte quelque chose, tu es la maître Pokémon. Ces temps-ci, j'étudie la mythologie Pokémon pour satisfaire ma curiosité. Ah mince, pourquoi je l'ai dit que c'était... Pas grave. On a érigé la statue d'un ancien Pokémon ici à Vestigion. Tu l'as déjà vu? Selon les mythes, il s'agissait d'un Pokémon incroyablement puissant. Qui sait, tu rencontreras peut-être une créature de ce genre, ouais, genre avec un Pokédex. Moi j'y pense, essayer d'utiliser ceci, ça devrait être utile. Et voilà, j'y coupe. N'oublie pas, tu peux utiliser la capacité secrète coupe sur le terrain. Elle te permettra d'atteindre des endroits auparavant inaccessibles. C'est important pour remplir ton Pokédex exprès. Parce que la chance s'accompagne, j'aimerais ça. Oh, une dernière chose, salut professeur de ma part. Très bien ma petite. Voilà, et comme par hasard, elle le dit parce que il y a ça. Bon ben voilà, j'ai que ça à faire hein, puisque je peux pas, il me faut le badge. Petite présentation, ici c'est le le truc de bicyclette. Le problème c'est que le vendeur n'est pas ici, il est dans le QG. Dans le QG du de la Team Galaxy. Donc il faut que je coupe, il faut que j'y coupe pour pouvoir le libérer et que je puisse avoir ma bicyclette. Et ici ce sont les exploreurs. Maison de l'homme du souterrain, le fondu des profondeurs. Voilà. Rentrons. Il faut me donner un objet très rare. Allez, on va déterrer le trésor. Je viens de Cherbourg, je travaille au musée minier. L'homme du souterrain m'a appris à déterrer le trésor et les sphères. Je vais te faire part de ses conseils avant de prendre. Rejoins, il arrive que tu tombes sur des roches sombres. Elle est vraiment dure. Si tu continues à causer, le mur finira par s'écouler. Garde ça en tête, tu déterres les trésors en un même temps. C'est moi, je suis le premier à avoir causé des ténèbres sur la surface. Fais comme tout le monde, appelle-moi l'homme du souterrain. Je vais te faire un cadeau, ce cadeau. Fais-moi plaisir, utilise la bannition. Ah, c'est l'Explora Kit, ça s'appelait, voilà. Ça me permet d'aller sous terre. J'en dis pas plus. Oh, oh, alors, attendez 2 secondes. Mon fil s'est débranché. Oh, mon ordinateur, mon ordi. Oh putain, c'est pas vrai. Alors attendez, parce que là, il m'a fait quelque chose de pas drôle, c'est bon. Oh la blague. Alors, attendez, je reviens, ensuite. Quoi tout le monde, c'est bon. Je suis un petit mec, voilà, le sauter. Bon, voilà. Descends sous terre, c'est pas mieux compliqué, tu suis utilisé, explorer le kit, je te donnerai si... Voilà, bon, je vais pas le faire aujourd'hui, je le ferai plus tard, si mission, ça sera une quête annexe. Pour l'instant, eh bien, on va foncer un petit peu à l'arène. On va XP moi et tout là-bas, justement. Salut, moi c'est Faux, champion d'arène de cette ville. Mon dernier challenger était un jeune homme terriblement impatient, un garçon du nom de... D'ailleurs, il m'a parlé de toi. Il a prévenu que le traverseur était en route, ça m'a rendu nerveuse. Dans mon arène, il faut d'abord en passer par les traverseurs avant de pouvoir se mesurer à moi. Je t'attendrai au fond, ne me déçois pas. Eh ben, je vais pas te décevoir, ma petite dame. 18, 17, 19, 21, ça fait moche. Ah oui, c'est vrai. Alors là, c'est complètement différent de... Non, attendez. Voilà. Donc, en fait, faut... il ne détecte pas, il faut leur parer. Et ça va faire tourner l'horloge, qui va vous emmener à chaque fois vers notre dresseur, et au final, ça va vous emmener à la championne. Je sais pas combien... Je crois qu'il y en a qu'un seul. Attendez, je vais voir ça, Ah, bon, celle-là en a 2, malheureusement. J'aurais préféré qu'il y en ait qu'un seul, parce que c'est soit niveau 17, ça prouve que j'ai vraiment de l'avance. Ah, il y a plein de petits up en plus, ça fait toujours plaisir. Et bon, on continue le combat. Pourquoi s'arrêter? Oui, c'est bien.
falloir vite que j'ai la montre, enfin l'application du Pokémon pour pouvoir savoir si mon Pokémon m'aime ou pas avec les cœurs, pour que je puisse vite faire évoluer mon rose bouton. Je peux faire ça avec juste en faisant des passes et ouais, c'est simple. Tu vois, alors là, je suis en forme de cœur, marche sur les aiguilles pour atteindre le dresseur suivant. C'est magique, attention. Donc là, c'est bon. Ok. Good job. Alors, c'est parti, on y va. Il a fait un petit saut, mon dresseur. Je marche sur les fleurs. Attendez, pas encore, je marche pas encore sur les fleurs. Oh, je marche sur les fleurs, je marche sur les fleurs. Oh, c'est mal, c'est mal. Oh, ça va me faire pousser. Un Pokémon type plante dispose d'attaque pas piquer des vers. Dispose d'attaque pas piquer des vers. Je ne laisserai pas l'emporter facilement. Il t'aime pas assez, il doit mourir. Non, c'est quoi, je dois le mettre KO, c'est tout. Hop là, en moins. Au prochain, s'il vous plaît. D'accord. Bon, bien au prochain. Ouh, ça monte de niveau, attention. Ça devient dangereux. Au revoir, s'il vous plaît. Je le sais tous de toute façon. C'est pour ça que j'ai un étourbillon. Pokémon type feu fera aussi l'affaire, mais le problème c'est que je ne peux pas encore rencontrer. J'ai soit besoin de surf ou soit besoin d'un autre truc. Hop là, ça c'est fait. Hop là, il n'y a plus de Pokémon. Salut. Hop là. T'as le jet ? Cyclone, cyclone. Reflet. Eh ben voilà, niveau 23, vous voyez comment que ça monte vite. Pokémon. C'est bien gentil, madame. Et les trucs d'eau font partir, sauf que j'en ai pas besoin. Enfin, ça peut toujours servir. Allez, on continue, s'il vous plaît. Sur le saut, sur le saut. Hop. Incroyable. Je refais. Le saut. 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 Je déconne. Faut que j'arrête là, faut que je me calme. Allez. Troisième et avant dernier combat avant la championne d'arène. Enfin c'est dernier combat avant le championnat d'arène. Excusez-moi, ça va se voir. Oh punaise, ça monte vite quand même une fois. Je t'ose quand même. Moi. Bye bye. Ma pauvre, ma pauvre, ma pauvre, ma pauvre Lucette. Oh, on se calmer. Non, là, je vais tourner. Tada. J'ai pas été blessé, je ne suis pas empoisonné. Et ben moi, je vous dis que je fonce dans le tas, comme un fifou de la life. Allez, je le fais. Deuxième arène, deuxième championne d'arène, me voilà. Tout en toi respire la victoire, la victoire. Bref, passons aux choses sérieuses, regarde. C'est parti, mon kiki. Dodibus. Et un mort, un. La puissance de l'étourfol. Et c'est pas fini.
contrairement à ce qu'il y avait comment elle utilise ses nids, si j'ai bon souvenir. Ah non, directement magique. Quand il dit Zénith, en fait, ses fleurs s'ouvrent et ça donne de véritables Cyfleurs. Parce que ça, c'est pas de vrais Cyfleurs. Vous avez vu comment c'est trop pas puissant, fait magique. Un type vol. Hein. Hop là, hop, niveau 24, ça me fait plaisir. Je suis à fond. Ah non, c'est Roserad. Alors, bien sûr, qu'il y a un Cacnea. Voilà, vous voyez, niveau 24, tous les autres Pokémon sont que niveau en dessous de niveau 20. Ouf, putain, c'est pas vrai, t'es plus rapidement que moi. Voilà, c'est ça que je veux à la fin. Oh non. Oh, toi, je t'aime. Parce que sinon, elle aurait utilisé une potion, j'aurais dû tout recommencer. Pardon. J'avais tellement envie de l'embrasser. Je tente une vive attaque. Je vais prendre cher là, je vais prendre cher. Ah non, ça va, je prends pas cher. Je retente un vieux attaque. Ça me rappelle de très 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 mauvais souvenirs. C'est une blague, j'espère. Heureusement qu'il y a. Deux fois de suite. Deux fois de suite. Bah, c'est bref. Oh, oh, la blague. Voilà, vous voyez, j'ai tout fait avec un Pokémon. Je répète, mais tu es vraiment comme Yes. Ça n'a pas dû être facile de faire des Pokémon de si peu compétents. Ah non, pas du tout. Ça prouve à quel point tu les aimes. Tiens, en guise de récompense. Bravo, bravo. Maintenant que tu as deux pages d'arène, les Pokémon de tenue qu'on va en échange. Je connais votre tante. Super, je ne ferai jamais d'échange. Attrape cadeau. Merci. Oh, je crois que c'est Écosphère. Ah non, on a d'herbe. Ah, c'est déjà pas mal. Une des préférées. Plus l'ennemi est lourd, plus les dégâts infligés sont importants. Hop là, je vais pouvoir rentrer à la maison. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est celle-là, toi et tes Pokémon. Allez. Eh ben, on va sortir. Hein, on va sortir. On va gagner nos Pokémon. Et je vais rester devant le bâtiment. Le QG. Oula, attention, 31 minutes. Ça fait beaucoup ça de temps là. J'ai un peu rougi sur le temps. Enfin bon. Et voilà, je vous laisse devant suite des aventures. Ici, les Pokémon auront sûrement monté un peu de niveau. Hein, parce que voilà, il n'y a que Itourvol qui a bien XP là. Totalement incroyable. Donc lui, Itourvol, j'y touche plus. Hein, ça je vous le dis. Eh ben c'est parfait. Donc je vais vous laisser sur mon magnifique badge. Tada ! Le badge. Je les suis. Et je vous dis. Oui, je trouvais le moyen pour aller vite. Allez, je suis celui-là à fond, je suis l'autre à fond. Et je vous dis à la prochaine.